What's going on, guys? Un peu plus de Battletech. Donc on a une mission d'histoire qu'on va faire. Alors j'ai enfin mon Juggernaut de près de 65 tonnes. J'ai fait quelques modifications. Je lui ai rajouté parce qu'en fait j'ai pu avoir un AC5++ avec... Enfin, la précision de plus 2 ACC, bon, franchement, c'est pas vraiment très intéressant. Mais c'est le plus 10 dégâts de stabilité. Ça, c'est énorme. Donc, avec les canons, je pense qu'on risque de faire pas mal tomber. J'ai un peu dû baisser, en fait, sa résistance, par contre. Mais, bon, ça devrait aller. Après, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux lance-missiles. Moi, j'ai des 10... Ça met un peu de temps pour revenir. Moi j'ai des LRM 10 et j'ai vu que maintenant on a les LRM 15 et 20 de disponibles. Mais c'est cher. C'est cher et c'est lourd, c'est ça le problème. Alors là il y a du critique en plus, c'est pas top, mais on a des LRM 10 et 20 par exemple. 10 de 10 tonnes. Donc ça il faudra, je pense, un deuxième lourd en fait, parce que pour l'instant moi j'ai un... C'est un médium qu'elle conduit, je crois bien. J'en ai qu'un seul de lourd, de méca lourd, et c'est le celui-là avec les canons. Donc ouais. Mais bon, ça vaut peut-être le coup de l'acheter. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop. Surtout c'est que, en fait, le problème c'est qu'à chaque fois ça change les missiles. Bref, on va faire la mission. Mais ça change les missiles. Donc vous pouvez pas avoir plusieurs sortes différentes. Parce que du coup, bah, il faut à chaque fois des munitions différentes. Donc ça, c'est un peu chiant. Je sais pas pourquoi je vais là. C'est là qu'il faut aller. First strike in orbit, well dry. Elle était pas morte, elle. Parce qu'ils ont fait un twist. Comme si elle était morte. Mais en fait, non. We got an army, what do you need us for? Allez, on y va. Alors, je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Je pense que ça va durer dans les 40 minutes, 1 heure. Parce que c'est une émission d'histoire. Alors, le Hunchback, du coup, c'est Glitch qui le prend. Centurion, c'est un médium, Centurion. Ouais, c'est un médium. On a qu'un seul lourd, et c'est lui. Ouais. On a 560. Vous avez vu que j'ai dû quand même baisser pas mal la défense. Hein. On est à 560 de défense. Là, on est 680. Le centurion, il est plus solide. Mais bon, c'est pas grave. Elle, je lui ai rajouté des jump jets aussi. Non, je l'avais déjà fait la dernière fois. Elle a le... Enfin, non, oui, tout est bien. Il n'y a que le Juggernaut. Voilà, j'ai rajouté deux jump jets. Un in-sync... Je sais pas si vraiment on va en avoir besoin. Enfin, on verra quoi. C'est un peu la première fois. Enfin, non, c'est la première fois que je l'utilise. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Je sais pas s'il va vraiment surchauffer. Les canons, en fait, font pas énormément chauffer. Le pire, c'est les lasers. Ça reste les lasers. Lance-missile, pareil. C'est pas beaucoup. Ouais, c'est vraiment que les lasers. Les lasers, on peut tirer indéfiniment. Ça aussi, c'est ça le truc. Pour le... Alors, Yakoiri, on doit combattre jusqu'au camp, détruire les forces et libérer... Ok, ça va. Avancer, détruire, libérer. On va avoir 1 million et quelques, c'est pas mal. Ouais, donc le Juggernaut, il a deux types de canons. Il a le... Canon, je sais plus les lettres, machin 2, de niveau 2, donc c'est dégâts 25, c'est pas mal. Il en a 3 comme ça, j'ai 2 fois des... J'ai 2 paquets de munitions pour ça. Et après, on a le 5. J'ai moins de munitions, par contre. Donc ça, on les gardera de côté. Vous voyez, 50-50, ça c'est bien. Mais 15, là. On va voir comment ça se passe. Alors, Bridge Prison Gate. Ouh là, oh mon dieu, comment c'est loin. D'accord.
Ok, on va y aller mollo avec les canons parce qu'on va pas avoir assez en fait, je pense. Ceux qui vont tuer, ça va surtout être. Ok, il faut détruire ça. C'est surtout les lasers et on va garder les canons pour les gros mécas qui sont en face parce que les canons vont faire tomber, ça va vraiment nous aider. C'est quoi ça? Ok, tourelle, tourelle, tourelle. Waiting on you, Commander. No sweat. Alors un truc con, on peut pas faire du sensor lock sur les bâtiments et tout ça. Après, ça serait peut-être un peu pété, mais bon. Enfin, la logique, on pourrait le faire sur n'importe quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve. Enfin, bref, c'est pas grave. On va jump là, comme ça, on n'est pas trop exposé. En tout cas, j'espère. Ok. Ils ont 100 de dégâts. De vie, pardon. Attends, on va enlever ça. Ça fait 5, ça fait 100. Là, ça fait 50. Ah, très bien. Oui. Standing by. Ce qui est pas mal, c'est que quand il y a des bâtiments qui sont détruits, on peut se mettre dans les débris. On peut se cacher dans les débris. Ça, c'est plutôt cool, ça. Ok, bien. On peut taper directement ou pas? Non. This is the warden. We have an intruder alert. All combat units, prepare to repel hostile. Ah non, faut bouger. Ah non, on peut pas taper. Ok, il veut pas taper en fait les bâtiments apparemment. Ok, bah du coup, Roger that. On va attendre, on va y aller très doucement. Normalement, ça devrait baisser sa chaleur. Non? Ouais. Elle a un très bon refroidissement, c'est cool. Très bien, pour le moment ça se passe bien. J'aime bien les missions comme ça, là on s'infile, c'est long et tout, c'est cool. J'aime bien, alors faut faire ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de... C'est quoi ça? Véhicule? Orders. Véhicule un peu partout. Got it. Il va falloir détruire ça. Sans trop s'avancer en fait, ça va être un peu risqué. On va voir si les véhicules s'avancent ou pas. I've got a sensor lock. Ennemi. S'il faut, ils vont faire exprès de pas avancer en fait. Par contre, toi tu peux leur tirer dessus à cette distance, c'est pas mal. Here we go. Très bien. C'est pas mal, hein, cette habilité sensor lock. Hein.
Elle aussi, elle peut le faire avec les missiles, mais les missiles, c'est pas l'infini. Engaging jump jets. Ça y est, ça avance. Parce qu'on en a détruit un, donc ça avance. Logique. Logique, logique. Ok, on est bon. Par contre, il n'y en a qu'un seul qui avance, c'est bien. Roger. More potential salvage on the field. Got a lock. Je sais pas comment on va les détruire ces trucs là. On va devoir avancer à plusieurs en fait, parce qu'il y en a 4 et ils ont 100 points de vie chacun. I hear ya. Ready for orders. Là, on est tranquille. Faire attention à eux. Tirer dessus. Je vois un peu. Wow, la vache, la précision quoi. Hein? Engaging target. Wow, 95% est à loupe. Pff, putain. On va rien dire. Après, ce qui serait bien, ce serait des. Genre des trucs de. Oh non, sensor lock. Ça c'est pas bon ça. Reporting minimal damage. Yeah. Non non, là hors de portée. À la limite, on pourrait s'avancer. Vigilance. Sensor lock, normalement on a une vue sur ça aussi. On va voir qui tank Médusa. Ils sont combien? Ah, ils ont pas beaucoup de défense en fait, là. À la limite, on pourrait les tuer, hein, les détruire, hein, je pense. On va tirer deux fois parce que. Ouais, ils sont solides. Receiving you. Roger that.
Alors... Parce que faut... En fait, là, c'est long. Donc, il faut avancer, tuer vite. C'est la merde, quoi. C'est tuer vite sans trop utiliser de ressources. Engaging target. Et sans trop prendre de dégâts parce que parce qu'on peut pas se soigner. Ce serait bien de pouvoir soigner en fait. Oh la vache, t'es sérieux? Ça m'a touché, putain. Oh super. Oh la vache. Comment il prend cher Médusa. Ok, on va devoir y aller un peu plus violemment là. Faut qu'on détruise ça. Good to go. Toujours pas à portée. Juste au cas où. I feel bad about shooting the little guys. T'inquiète pas, Glitch. What's up, boss? Engaging jump jet. On pourrait les détruire à la... Détruire les tourelles directement, hein, mais bon, ça sert un peu à rien. Il faut détruire les défenses. Même si on encaisse un tout petit peu de dégâts, ça devrait passer. Ça sert à rien de mettre du... de la chaleur là. Putain. De baisser la chaleur. Ça faudra complètement l'enlever, ça sert à rien. Voilà. Waiting for orders. On va s'avancer. Ah
Ah, mais elle peut pas trop tirer en fait. Oh merde. Oh putain. Commander. Affirmative. C'est stressant cette merde. Taking the shot. J'aurais pu faire un peu de dégâts et on aurait pu en détruire une déjà. Minor damage, Commander. Nothing to see here. Alors. Non. Ça va le détruire. Après B, ça fait 50 de dégâts. On va faire comme ça. Engaging multiple targets. Ah, très bien. Je vois pas pourquoi ça tire plusieurs obus alors que ça en tire qu'un seul. C'est bizarre. Hein. J'aurais dû faire un gros boom, genre un canon quoi. C'est un canon. Fou la chance. Je le fais juste sauter pour qu'il récupère des charges d'esquive et qu'il éclaire ça. J'aurais dû en fait le mettre là directement, comme ça tout le monde avait vu sur ça. Là j'ai mal joué là. Oh merde, structure exposée, putain. Comment on perd du temps quoi. T'as combien, 75? Ah, je peux pas tirer avec les autres canons en fait. D'accord. Roger that. Firing on target. C'est bon. Building's trashed. Il en reste plus que deux. Yes, Commander. Ils sont résistants ces merdes. Hein. J'espère que c'est vraiment le début qui est difficile. Après, je pense que quand on va combattre des mecs, ça va être un peu plus simple. Oh mon dieu, le bras. Non, il va crever le bras. Oh, armor breach, internal damage. Quel carnage, quoi. Good to go. Ouf, ça va. C'est pour ça que je l'ai mis là pour le faire l'appât. Major armor loss. Waiting for orders.
faire 100 dégâts. Terrible, je peux pas. Si, je peux, ça va. Here we go. Très bien. Quand je fais les lasers médiums, les moyens, ça va, ça prend pas beaucoup de chaleur. Waiting for orders. Firing jump jet. J'espère qu'on va pouvoir tirer avec les lasers, mais je crois que c'est trop loin. Non, parfait. Locking on. Peut-être tirer un peu trop de missiles en fait. C'est pas grave. Target eliminated. Donc on a mal joué au début. On aurait pu mettre Medusa ici, il était caché en fait. Et après tirer de loin. Il est cool le 5. Enemy unit destroyed. Receiving you. On peut pas soigner, sérieux. On my way. On the move. Ce serait bien qu'on puisse récupérer des objets sur la map. Ça manque. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Good for now. Cooling down a bit. Moving out. On peut sauter directement, ouais. S'il y a quoi comme... Location confirmed. On va voir la porte. Si on peut la détruire, on la détruit. Ça va. Got it. Target destroyed. On peut faire facilement 100 dégâts sans surchauffer avec elle. Enfin, sans chauffer même. Yes, Commander. Confirmed. Ok, maintenant c'est du mecha. Jenner, ça va, c'est simple. Est-ce qu'on peut se mettre dans des débris peut-être? Ou alors je peux bouger? Non, je peux pas. Après, je peux sauter à côté et le brûler. Mais j'ai pas vraiment besoin de faire ça. I've got a sensor lock. Ok. Il va peut-être se faire tirer dessus là. Je voudrais voir si ça le protège, si on est dans des débris ou pas. Apparemment non. Peut-être là-dedans. Ça fait des débris. Good to go. Alors. Ça fait chier, on peut pas s'avancer. Waiting
fait le con. Orders. Faire un coup de missile, on va le faire tomber. Oh putain, c'est du 50%. Ah, fait chier. Firing on target. Ça va, on lui a fait mal. Inflicted some heavy damage. Oh, trébucher, ça, ça fait mal par contre. Good to go. On my way. On va placer en vigilance, ça la protège. Right, commander. That's a critical hit. Elle est dure cette mission. Elle est pas mal dure. Ouais, là, il y a des débris. Engaging jump jets. Alors... Engaging multiple targets. Il devrait tomber direct. Ah, très bien. Ah, comme ça leur évasion baisse tous. Il est tombé. Là, c'est trop dangereux, on peut pas vraiment les attaquer. Lifting off. Oh merde, il les voit plus. Oh, putain. Tu vas te mettre là. Coordinates received. J'aurais dû voler en fait. Affirmative. Structure exposée. On a une bonne puissance de feu, hein. C'est juste que là, là c'est long quoi. 4 mecs, c'est trop peu. Alors lui s'est relevé. Good to go. Lifting off. Il faut qu'elle s'avance, elle est... elle s'est pas fait toucher une fois, donc faut qu'elle tanque. On va le faire tomber lui. Oh la chance. Critical hit, commander. Putain de merde, il va faire mal. Ça va. Ça va plus être pire. Lui nous voit en fait, c'est pour ça qu'ils peuvent lui tirer dessus. Ok.
va se mettre en vigilance. Alors, on peut tirer sur qui? Ah, bah, que sur le centurion apparemment. On lui tire tout dans la gueule. Ouais, on lui tire tout dans la gueule. Non, il est pas tombé? Oh, il est pas tombé. Ça c'est de la... Ça c'est de l'abus ça. Ça va. Qu'est-ce qu'elle dit elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, Kintaro elle est là. Cool. Elle est venue nous aider apparemment, cool. Alors attends. Parce qu'il y en a quand même 3 qui sont encore opérationnels. On pourrait attaquer lui, mais on n'aura pas d'esquive du coup. On va se mettre en vigilance. On va détruire lui. Foutage de gueule. Je sais que les lance-flammes c'est pas fait pour tuer, mais quand même. Good to go. Toi par contre faut te faire tomber. Alors attends, est-ce qu'on peut... On va faire un tir multiple, on va faire ça. Et ça, le B, on va mettre ça, parce que le PPC plus... il fait des dégâts de stabilité. Et je voudrais bien tuer lui aussi. Très bien. Là, lui devrait tomber. Knockdown. Très bien. Tour des alliés. J'espère qu'elle est bonne. Hein. Oh. J'espère qu'elle est bonne, Kintaro, parce que là on a besoin d'aide. Kintaro, tu viens de tirer sur le mec à terre. Alors toi, t'es vraiment une... Bref. Ah, le trébuchet, il va nous faire mal. Regardez-moi tout ça, tous ces missiles et tout. Oh putain. Oh. Arrête, y'a rien qu'à péter ? Alors toi t'es sous une putain de bonne étoile. C'est abusé. T'es sous une putain de bonne étoile. Orders. Alors on a le Juggernaut et le Trébuchet. C'est un Trébuchet qu'il faut que je récupère. Good to go. Qu'elle s'avance plus, elle, pour un... Pour les lasers. Ça fait 3. Ça fait 3 aussi. Voilà, mets-toi devant. Avec de la chance, peut-être ils vont me tirer dessus à la place. Très bien. On va rester statique. Là, il devrait tomber, non? C'est pas assez, hein? C'est pas assez ces canons. Hein. Ils sont bien, mais ils sont pas assez puissants. Hein. Oh la vache. Hang on. Here we go. Non, attends pas. I took some shrapnel. Ça va. Waiting for orders. Ok, c'est l'heure de taper.
heading out. Targeting for a physical attack. Ah, très bien. S'il est toujours debout, je vais halluciner. Ah, ça va quand même. Le trébuchet, il va se quoi ? Il va se replier ? Ou alors il va attaquer. J'ai rien dit. C'est pas replié, mais bon, ça va. Ça aurait pu être pire. Ah non ! Il fait double. Ah, ça va, sans ceinture, ça va. C'est un peu stressant quand même. Et il tire partout. Ready for orders. On it. Et que tu te lèves et que tu te casses, toi. Back to standing. What's next? Toi, t'es en forme quand même. Hein. Got it. Yes, très bien. Initiative moins 1, c'est cool. Qu'est-ce qu'elle a la musique, toute mélancolique comme ça? Alors le truc, il a chaud, c'est possible qu'il essaye de pas tirer. Possible, j'ai dit. J'aurais dû peut-être. Ça va, ouais. Vous voyez ? Ça, c'est à cause de la chaleur. Standing by. C'est pour ça que lui aussi, je crois qu'on va le. Move into position. On va le faire chauffer. À un moment, j'ai fait une mission comme ça. Et j'avais un. Hunk back. Genre celui-là de Ragnarok, un lourd. Et je l'ai toujours fait chaud en fait. Structure, dégâts, structure, c'est bien. Il aurait pu faire jusqu'à plus de 60 parce que là c'est un peu, c'est pas énorme. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à chaque fois je le faisais chauffer et le truc il attaquait jamais du coup, donc c'était cool. Ok, il est mort, cool. Le pilote est mort. Receiving you. Ouais, mais la faire sauter, ça la fait chauffer aussi. C'est con ce que je fais. Oh la vache. Here we go. Je vois pas pourquoi je tire dans la. Fallait tirer dans les parties hautes pour que ça explose. Waiting for orders. Il est juste au cas où. Oh, le pilote, il est pas mort. Oh mon dieu. Mais bon, il surchauffe et tout. Tu vas pas me dire qu'il va tirer, quoi. Toi, t'es un putain de warrior si tu. Oh la vache, le mec, c'est un putain de warrior. Tu vas souffrir.
Knockdown. Il va tomber, il va mourir maintenant le mec. Yes. Ça c'est bien. Parce que quand tu les pilotes, ils ont 3 de vie. Hein? Oh yes, on a fini la mission. Cool. Apparemment la mission continue plus tard. Ce qui est bien, c'est que si on tue les pilotes, bah du coup on n'abîme pas les robots, donc on peut récupérer plus de parties. Et il faut à chaque fois 3 parties pour en créer un. Donc c'est très facile de récupérer 3 parties comme ça. On a 1700... Non, 1,7 million, pardon. Ouais, on a du... Ouais, on a des galours. Okay, que 40 jours, hein, parce qu'elle a 4 points de vie. Ça aussi, c'est Guldruck de mon Discord qui me l'a dit. C'est vrai que j'y avais pas pensé sur le coup. Plus ils ont de vie et moins longtemps, en fait, ils restent à l'hôpital. Parce que c'est proportionnel, c'est un pourcentage, en fait. Donc plus ils ont de vie, genre ils ont encore 50% de leur vie, bah du coup, ils restent pas trop longtemps à l'hôpital. Alors, le Juggernaut, on pourrait prendre... non, le Juggernaut, on pourrait en avoir un deuxième. Là, comme ça, ça en fait 2, ça fait 3. Le Trébuchet... Non, on va prendre le Trébuchet, parce que le Trébuchet, j'ai pas... Bah, vous voyez, le Trébuchet, on a 3 parties Trébuchet. Genre, ça ferait un Juggernaut et un Trébuchet, là. On va voir s'il n'y a pas des armes intéressantes, plutôt. Il n'y a que dalle. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a que le lance-missile, je crois. 15... Bon, il n'y a que ça qui est intéressant, et encore. Est-ce qu'on garde... Ça nous ferait un Juggernaut et un Trébuchet de plus. Trébuchet, je crois que c'est missile. Ah non. Trébuchet, c'est quoi? C'est 2 missiles laser? Et Juggernaut, c'est... Laser... Canon. Bon, moi, je l'ai monté canon. Model is highly specialized long range. Alors ça, c'est les autocanons. Voilà, moi, c'est... Ouais. Et là, Trébuchet, c'est quoi, du coup? Un can mount enough missile to give away heavy unit pause. Ils sont pas très protégés. Mais si, ils ont une bonne durabilité, t'es fou. Enfin, comparé à ce que j'ai, oui. C'est une très bonne durabilité. Trébuchet, c'est plutôt missile. À la limite, on pourrait l'échanger avec le centurion de Behemoth, mettre 2 missiles à la place, pas 3. Mais il me faudrait des plus gros missiles, du coup. Et des lasers, donc il me faudrait des plus gros missiles. Donc le Juggernaut, on va le laisser, juste pour être sûr. On va prendre des LRM-15. Et si je peux, on prendra 2 LRM... de niveau 20, 2 LRM-20. Pour faire plus de dégâts. Mais c'est lourd après, c'est lourd. On a eu le centurion, on s'en fout du centurion. Bon, ça va, on a des nouveaux mechas, des lourds, c'est cool. On a de l'argent aussi, donc on va pouvoir attendre 2-3 mois. Le temps qu'on se refasse. Ah, c'était long la mission, plus de 40 minutes. Ouais, on a 50 minutes de vidéo, ouais, plus de 40 minutes la mission. Mais c'était intense, c'est bien. Ah, cinématique. By the time our forces found him, it was too late. I'm sorry, Kamea. He was here all this time. Rashu. C'est le mec du début qui était avec nous. Lui aussi, il était laissé pour mort. Je crois. Ah, peut-être qu'on va pouvoir récupérer son mecha. Je crois que lui, il avait un lourd hein, qui était très puissant. Ah, moi, à chaque fois que je vois quelqu'un qui meurt, c'est récupération du mecha. Hein. Je m'en fous un peu de la personne. Moi, c'est collection de mecha. De mec. De mec. De Wanzer.
Alors... But so I fight. Ah. Je fais pas extrêmement attention à l'histoire, j'avoue. Je sais les grandes lignes, mais après quand je fais des vidéos aussi, je vu que je traduis pas tout en même temps, je pense. On n'a pas le temps. Et puis il y a un patch français qui arrive. Voilà. Ça y est, elle s'énerve. Espinosa has imprisoned and starved and murdered our people. On a libéré les gens, donc elle, elle crée une armée. Light years away, building support, planning. While the directorate's secret police turned neighbor against neighbor, made your loved ones disappear, conscripted your children. I wasn't here. I didn't know. The crimes that I have witnessed here today are unforgivable. No doubt, Director Espinosa believes that the ends justify the means, that the Oregon Reach has been made strong. Well, I say that strength built on fear is brittle. The Directorate is a paper tiger, and I declare this restoration today to rally the true strength of our people, our resilience, and our freedom. Let Weldry be a call to arms. Join us, and together we will liberate the Founding Houses and retake Cormadir. Not because it is my birthright. But because the Directorate's crimes against you, the Oregon people, will no longer be tolerated. That is what I fight for. And I vow to fight for your freedoms to my dying breath. Wow. Bravo, président. Bravo, bravo. Ça va, elle est cool. J'aime bien. Sauf que... La personne qui part à la guerre, c'est Bibi. Faut pas oublier ça. Franchement, j'espère que tu vas nous aider dans le vaisseau. Hein. Il nous faudrait plus de gens en fait. Quoique non, après il faut les payer, merde. Putain, on est baisé dans tous les sens. Ah, on va avoir un nouveau vaisseau. I want to see my new ship, il a dit. Alors... Wanted to get stronger. Bring me Frapple Mech from Mission and Shop, rebuild them, fighting machine, remember boss. Come to. That mech is ready to fight, Commander. Okay, cool. Oh mon dieu, arrête de me parler quoi. Je sais que c'est le bordel. Je sais que tout le monde est détruit et tout ça. Et puis... T'es là pour construire, t'es là pour réparer, t'es le mécano. On a le new mech trébuchet. Ça c'est qui? C'est le Blackjack. Ça c'est Vindicator, on va le virer. Ouais, mais on peut pas le virer parce qu'il est abîmé. Là je peux. Donc du coup pour le moment, bah le... Ah, le trébuchet, c'est un médium. J'ai cru que c'était un heavy. D'accord. Notre vaisseau, il est là. Hein. C'est pas tout ça, c'est ça. C'est juste le petit truc. Donc, on est sur Argo. Bon, la vidéo... La vidéo...
a setup like this, there's nothing I can't do. Cool. You need some work done, Commander? Donc c'est un nouveau vaisseau en fait, ok. C'est bien ce que je pensais, on a un nouveau vaisseau. Come back anytime. On est à 3000 en tout, c'est pas beaucoup. On pourrait avoir ça, upgrade là. Je sais pas comment on les a ça, bizarre. Alors, on a... Faudra sortir le trébuchet, je pense. Et le trébuchet, on en fera missile laser et on le mettra à Behemoth à la place du Centurion. On fera ça. Bon, par contre, va falloir réparer des choses. Le Hunchback, on a vu que c'était cool. Jet, heat sink. Ah, c'est le laser. Oh merde, on a perdu un laser, je crois, non? Ou pas? Ou j'avais pas de laser? Non, j'avais pas de laser. On a perdu deux jets et un hit. Hein. Ok. Voilà, deux jump jets et un heat sink, ça va. Du coup, en fait, elle est pas trop proche pour utiliser ses médiums laser. À la limite, j'ai envie de lui enlever des médiums et lui mettre des larges, plutôt. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? Genre. Mais par contre, c'est lourd, ces merdes. C'est vachement lourd. 450. Et là, on descend à 270, en fait. Parce que du coup, elle pourra tirer un peu plus. Elle aura les 3 lasers. Enfin, je sais pas. Ou alors on met 2 PPC. Non. Ça m'embête, hein. C'est très embêtant, tous ces bordels, tout ce mix-là. Heatsink, faut pas trop le baisser, heatsink. Voilà. Parce qu'au final, elle a pas vraiment trop tiré avec les lasers médiums. Là, bon, elle a 3 lasers gros et 2 petits. Les armures, je suis pas trop fan, mais... On verra. Parce que vu qu'elle reste en arrière, vous voyez ce que je veux dire? Vu qu'elle reste en arrière, faudrait que... Qu'elle ait plus de choses pour tirer en arrière. Logiquement. On va aller voir le magasin aussi. La vidéo va faire plus d'une heure, hein, mais bon. Je suis obligé. Hein. Alors, on a du L laser plus, on a une précision plus. Ça, on s'en fout. LRM 20, stabilité, dégâts stabilité, c'est bon. Quand c'est dégâts de stabilité, on prend quoi. C'est top. Accuracy. On a du 5, non. PPC, S-Small laser, non. SRM 2. Pas vraiment grand chose. On a des mecs, non. Équipement. Un peu de la merde. New weapon systems available. Voilà, on a du LRM 20 et il faudrait des... Enfin, du LRM 20, il faudrait juste des munitions parce que j'en ai pas trop. Y a pas LRM 20 munitions? Apparemment non. Ah, on peut... Allez, Alexander. What do you need? Cool. Be well, Commander. On a un meilleur vaisseau maintenant, c'est cool, sympa. On a Medical 7 et on a Mech Tech 5. Avant on avait 3 et là on avait 5. Ship Upgrade. Ah voilà, les Ship Upgrade, c'est là. Ouh, cool. Alors, Charlotte Social Space Assets Barrack allowed Mech Warrior to bond as a team. Ouh, c'est nouveau ça. On peut créer une équipe. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Plus 1, ah oui, c'est juste du moral en fait, d'accord. Mech B, on peut avoir Mech B2, ça c'est cool, on va le faire je crois. Plus 3 tech de points. Pourquoi je peux pas acheter? C'est 9000.
Pourquoi je peux pas acheter? We've got a lot of space, commander. Repair, power, conduit. D'accord. Bah en fait, le truc, il est à la moitié détruit, c'est ça? Donc, faut réparer le vaisseau, putain. Faites chier. Ouais, il faut ça, en fait. D'accord. Ça marche. Sure thing. It'll take a bit, but we'll get it done. Et après, c'est quoi Repair Scaffolding? Repairer mec, much simpler. On gagnerait en tech. Ça, c'est cool. Bon, bah c'est cool, on a plein de trucs en plus. C'est sympa. C'est sympathique. Mais bon. Ah, ça va prendre du temps de faire tout ça, hein. C'est horrible. Hein. Ship upgrade, ça, ça passe en premier. Ah, mais c'est horrible, ça prend trop de temps. Lui, je suis un peu deg, parce que les canons, ils sont pas assez puissants, en fait, au final. Donc ça me fait un peu chier, mais bon. C'est 20 plus, 5 dégâts de plus. AC5 plus. Faudrait que j'en mette deux des AC5, mais j'ai pas assez de place, donc à la rigueur c'est mieux de. Si je mets que deux canons, c'est pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas assez. Hit sync, on s'en tape. 6-7. Ah, peut-être qu'on peut faire un effort. Peut-être faire un effort. Ah mais putain, mais l'armure elle prend cher. Hein. Elle prend très cher l'armure. Elle prend un peu cher. Mais bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Donc lui, il a deux fois de munitions pour la C2. Donc la C2, il va tirer plus souvent. Et après, on a des munitions pour la C5 aussi. Ou alors, est-ce qu'on peut prendre des munitions que pour la C5? C'est ça le truc. Mais c'est lourd, non? C'est 1. Ah, quoique non, on peut faire le... Deux fois C5. Et une fois C2, peut-être. Vu que c'est le plus gros canon. Pourquoi pas l'utiliser plus, quoi. En théorie, c'est plus intelligent de faire ça, quoi. En théorie, c'est mieux. On pourra tirer un peu plus. Par contre, ils nous disent pas combien de munitions ça nous donne. C'est ça qui est bizarre, je trouve. Non? Genre, on sait pas combien ça donne, ça. Bonus, on sait pas. Ah oui, non. Comptez 15 balles. Et là, contiennent 25 balles. Donc ça fait 30 balles. Et après, je sais pas si les canons ils viennent avec déjà des munitions dessus. Ouais, non, ça j'en sais rien. Donc ça fait 30 et là ça fait 25. Ça fait 30 et 25. C'est pas mal, 30 et 25, c'est équilibré. Tant que cancel, faut réparer. Ouais, 30 et 25, du coup on pourra tirer un peu plus avec les AC5 en fait. Enfin les 4 canons pourront tirer plus ou moins le même nombre. Et Firestarter, il faut le réparer aussi. Je crois qu'il n'y a rien qu'à péter. Donc on est tranquille. Il n'y a rien qu'à péter, ça va, on répare. Ça prend trop de temps là du coup. Mais bon, on a de l'argent de côté. C'est fait exprès. Du coup, de donner de l'argent, de mettre de l'argent de côté, enfin d'en avoir donné presque 2 millions parce que là, Firestarter, il faut le mettre. Le Vindicator, on s'en tape. Non. Le Blackjack. Blackjack, je le répare juste pour le mettre en entrepôt, hein, c'est tout. Hein. Blackjack, Vindicator, on s'en fout. Voilà, les plus importants, c'est ceux-là, les 3.
Ah, très bien. On a les mecs warriors, ils ont sûrement monté de niveau, donc on va pouvoir peut-être leur débloquer des trucs. Ouais, on a 5007. 5007. Recoil. Collet de shot bonus, ça c'est bien. Collet de shot bonus, ça c'est cool. Training complete. Quand on fait des bonus là de tir de précision, ils ont, ça augmente leur précision. Ça on garde pour le moment. Yes, commander. What's up, boss? Behemoth. Dégâts mêlés, mais bon, du coup, tu tapes pas vraiment en fait. C'est ça le problème. Donc on va prendre ça. Viser, c'est toujours bien. La visée, c'est toujours bien partout. Waiting for orders. Et toi, 2 de vie. C'est cool. Training confirmed, commander. Good to go. 2 de vie en plus. Toi aussi, Médusa, faudra lui augmenter la vie aussi. Recoil, overheat, threshold. Enfin, quoique. Je sais pas. Lui, on va attendre pour le moment. Voilà, c'est tout. Donc, le vaisseau, c'est tout ça en fait. Ah, il s'est accroché à là et du coup, c'est à nous. C'est bizarre. Mais bon, c'est mal en point. En fait, c'est le vaisseau qu'on a récupéré dans une des missions avant. Un truc qui était sur la lune, je crois. Ah non, c'est pas sur la lune, mais enfin, c'est bref, un truc comme ça. Allez, à la prochaine. Ciao.